15h vers 22h. 15h vers 22h. Ouais, allez, hop, tout de suite, tourne. Ouais, voilà, allez, hop, accélère. Tu le tournes très bien en plus. Allez, c'est bon. Va mieux. Et maintenant, peut-être aussi que t'es en bidex, hein. C'est sûr. Moi, mon projet, c'est de monter mon stand de crêpes aux États-Unis. D'accord. D'accord. Tu vis déjà aux États-Unis? Oui. Hein? Depuis très longtemps. D'accord. Et donc, quel type de restauration tu veux faire? C'est ce qu'on appelle du takeaway. C'est ouais, quoi? Ouais, exactement. Et très simple. Les vraies crêpes françaises, toutes simples. Genre trois choix de crêpes salées, ouais. Et trois choix, quatre choix de crêpes sucrées. Enfin, d'accord. De crêpes. Voilà. Que des marchés pour l'instant. Et de l'événementiel aussi. Ouais, et aussi de l'événementiel. Oui. D'accord. Absolument, des mariages ou des événements. Et voilà. Et est-ce que tu sais que tu es en train de vivre un moment exceptionnel de ce que tu viens de faire? Parce que tout simplement, tu viens juste de tourner comme une gauchère, c'est-à-dire dans le sens inverse. C'est pas vrai, si, tu ne t'as jamais fait ça, regarde. Ah. Et tout à l'heure, tu es parti de l'autre côté. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que je pense que j'ai toujours tourné de ce côté-là. J'ai pas encore vraiment tourné sur ce. Non, moi, je connais un type qui est un savant qui vit en Guadeloupe. Comment il s'appelle déjà? Jean-Jacques. Jean-Jacques, ouais. Qui est un savant. Ouais. Hein, c'est, à l'origine, c'est un informaticien, mais c'est surtout un grand mathématicien. Et ben, il dit que de temps en temps, ça s'appelle ninjatiser, la Terre, elle change de sens, tu vois, et ce qui fait que les galettes, et ben, on les foire. Et ça... Ah, vous l'avez connu, vous aussi. Donc, démarrage de ton entreprise, ce serait quand? Démarrage de mon très doucement, mollement, jusqu'au mois d'avril. Et dès que les marchés ouvrent, tac. D'accord. Là, je peux vendre mes crêpes très chères. C'est-à-dire très cher, c'est... Ça veut dire une crêpe au sucre, je peux la faire à 4,50 $. Oh, c'est pas tellement plus cher. En euros, non. Ça nous fait du quoi? Du 3,80, 3,90? Ouais. C'est pas énorme, hein. Ouais. C'est... Ouais. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Bon, ben, et nous, du moins moi, j'ai déjà te souhaité plein de bonnes choses. Merci, et puis merci d'être passé par ici. Ouais, j'étais super contente. C'est vrai. J'ai appris plein de trucs. Je ne savais rien en arrivant. Maintenant, je sais tout. C'est tout. Donc, si. Là, tu as appris à faire du vélo avec moi maintenant et il faut que tu travailles sur le fond, hein, ça c'est clair. Hein. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Non, mais c'était super, merci. Vraiment. C'est gentil. Merci vraiment plein de bons conseils, plein de comment on appelle ça, pas des trucs, mais des... Si, moi j'appelle ça les trucs, les astuces, des puis astuces, les petites combines pour ne pas perdre du temps, etc. Voilà. Par contre, effectivement, le tour de main, à mon avis, il faut en faire, et puis c'est comme le tournage de... Ah ben, voilà, hein, moi si tu me mets devant ton tour à peau, là... Bah voilà. Je vais en casser des pots, ça je peux te le dire. Merci à toi. Bonne merci route. Patrick. Ouais, merci. Bonne route. Comme on dit, maybe one day. De toute façon, hein, comme je le dis à chaque fois, moi, il savait, il reste ouvert. Hein. D'accord. Je te remercie. Merci, Patrick. Je veux bien récupérer le micro sans prendre une claque. Merci. Donc là, vous deux, on a Virginie... Bruno, petit couple dans la vie depuis 2-3 millions d'années. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, bah, tous les deux, vous êtes venus passer 3 jours ici. Donc, votre objectif, c'est d'abord apprendre à faire des crêpes et des galettes. Et c'est surtout que vous avez un projet qui est très d'actualité, puisque c'est très, très bientôt. Bah, voilà, dites-nous un petit peu plein de choses là-dessus. Voilà, donc, c'est un changement de vie. Carrément de métier. Ouais. Nouvelle vie, donc nouvelle région. On est aujourd'hui sur la région de Nîmes et dans 15 jours, on sera à Lacusa. Ouais. En pleine période de ski. D'accord, pour les vacances pour un nouveau métier, donc un nouveau métier, une nouvelle vie avec notre famille, nos 3 enfants. Ah, carrément. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui mûrit depuis 2 ans. Ouais. Et,
Et aujourd'hui, voilà, on se lance, on n'est pas encore prêt, ouais. Mais on apprend, voilà, un petit peu tous les jours, et on est un peu plus à l'aise tous les jours. Et j'espère qu'on sera rapidement. Bien, bien. Bien. Mais dans 15 jours, voilà. Ouais. Donc après, voilà, les conseils, c'est pas. Donc on se lance toujours tête baissée dans des nouvelles aventures, mais effectivement, voilà. On en a suffisamment discuté pendant ces 3 jours-là, et avec l'aide des autres compagnons qui sont là, comme Laurence et monsieur Jean-Jacques, qu'on ne voit pas, parce qu'il est recherché par toutes les polices de France, donc on ne va pas le mettre en truc. De la typologie client de la montagne, c'est en général, il y a la clientèle du soir, ce sera ouvert au soir en restauration classique. Ouais. Il n'y aura pas, on doit le dire, qu'il n'y aura pas que les crêpes et les galettes. Hein. Voilà, il y aura aussi les bruschettas. Voilà, il y aura aussi les bruschettas, il y aura aussi du panini. Voilà, et puis ensuite, on va faire aussi salon de thé et puis glacier l'été aussi. D'accord. Pour diversifier un peu. Voilà. Donc c'est vrai que ça va amener à découvrir plein de choses et à proposer pas mal de produits. Et donc, Virginie, comment tu vois, toi, la répartition du travail? Moi, je suis la chef. Toi, tu es la chef. Moi, je suis la chef et je les surveille. Et c'est la chef, donc si on fait mal, on sera puni et voilà. Donc, quand tu parlais, j'aurai mon esclave, c'est ton mari. C'est ça. Ah, d'accord, je comprends mieux. Ok. Voilà. À 3, donc, on va travailler avec notre fils. Et en fait... Ça, c'est le problème, si tu veux. Les femmes, dès que tu les mets, tu vois... Tu t'imagines une plus belle la vie, là, tu vois. Ouais. Eh ben, elle a perdu tout, parce qu'elle voulait être actrice. Elle fait que des belles galettes. Tiens, elle fait que des belles galettes. Chaque fois qu'elle fait des belles galettes... Eh ben, vas-y, tourne. Tourne en même temps. Non, mais c'est marrant. Et celle qu'il ne faut pas rater, c'est... Non, mais alors, l'idée, pour être... On est toujours sérieux. L'idée, c'est quand même que vous allez, vous... travailler en couple, voilà. Et qu'on a évoqué que c'était quand même la première grande fois que vous avez travaillé ensemble. Ah oui. Oui. Ah, parce que chacun avait son métier et son entreprise avant. Hein. Chacun avait son métier, on était tous les deux à notre compte. Donc, voilà, Virginie infirmière libérale et puis moi artisan. Ouais. Voilà, et puis aujourd'hui, donc, on va travailler ensemble dans le même restaurant. Ouais. Voilà, donc, nous, on nous a attiré d'abord en priorité, d'abord c'est la montagne, c'est la région, c'est ça qu'on va là-bas. Et en même temps, c'est aussi ce métier voilà, qui est passionnant, dans lequel on va pouvoir laisser exprimer notre créativité. Oui, bien sûr. Et justement, c'est ce qui a permis ce stage de 3 jours. Non, c'est très bien. Donc, quels sont, pour finir, les points clés que vous retenez de ces 3 jours-là? Est-ce que ça a répondu à vos attentes sur ce que vous cherchiez sur, Oui, tout à fait. En fait, ça a bien répondu parce qu'en fait, qu'on venait chercher ici, c'est pas seulement du savoir-faire, parce que le savoir-faire, bon, oui, c'est important de savoir tourner une crêpe, donc tout ça, on l'a appris quand même. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est l'expérience, et justement, c'est ce que Patrick a pu nous amener aussi, en fait. C'est surtout toutes ces petites anecdotes, et puis ces différentes recettes aussi. Voilà, on a appris beaucoup de choses, notamment des choses qu'on va pouvoir utiliser, nous, et qui sont vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire, qu'on ne voit pas partout. J'espère qu'on va pouvoir développer ça, justement, en emporter. Des choses qui vont permettre de trouver des produits uniques. Sur ce type de clientèle qui est peut-être de passage dans la journée, qui va aller skier et qui va pouvoir emporter son produit. D'accord. Non, c'est très bien. Puis les autres vont faire de la même chose. C'est vous souhaiter une très belle ouverture parce qu'elle est très rapide, c'est très bientôt. Et puis, merci à tous les quatre d'être passés ici. Merci à toi. Je le dis à chaque fois et c'était encore du bonheur que de partager. Donc, merci Laurence, merci Jean-Édouard de Roche-Chervert, qu'on appelle Jean. Jean-Jacques. Jean-Jacques. Et on ne doit pas dire que c'est Jean-Jacques. D'accord. Like a bird on a tree.